Améliorer les conditions de vie et de travail des vétérinaires et promouvoir la santé des animaux et des hommes, l'Association nationale des docteurs vétérinaires du Mali lance une initiative majeure afin de garantir une consommation de viande de qualité. Pour cette édition, le thème retenu est « Promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion dans la profession vétérinaire ». Le Festidibi bat son plein à la place du cinquantenaire de Bamako. Outre la valorisation du savoir-faire entre chefs cuisiniers, restaurateurs, entre autres, le programme de cette 9e édition est aussi alléchant au plan de l'animation artistique. Les détails à suivre. Alima Keïta et Aminata Terra se sont classés respectivement première et deuxième dauphine de l'élection Miss Bamako édition 2024. La couronne, c'est Maïmouna Keïta qui la détient désormais en s'imposant parmi les 16 candidates. Ce concours de beauté mettant aux prises les plus belles demoiselles de Bamako a tenu toutes ses promesses. Les temps forts assurent dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Lors de la célébration conjointe de la Journée nationale de l'Assemblée générale des vétérinaires du Mali, une initiative J'y arrive a été lancée par l'Association nationale des docteurs vétérinaires du Mali. Une initiative majeure qui consiste à promouvoir la santé animale et humaine. Cette journée de célébration a vu la présence des personnels du secteur. Mariam Sissoko. Assurer un système de santé animalière efficace et assurer la santé publique vétérinaire, tels sont entre autres objectifs de l'Association nationale des docteurs vétérinaires du Mali. Cette association joue un rôle prépondérant dans la sécurité économique, sanitaire et sociale de notre pays. Cette initiative, elle est née de nos anciens, de regrouper toutes les générations de docteurs vétérinaires afin qu'ils puissent se connaître, afin qu'ils puissent créer un cadre technique de collaboration et afin de pouvoir créer les conditions maximales de l'expression et du service des docteurs vétérinaires pour que ça soit au service de la nation tout entière. Les vétérinaires veulent que tous les Maliens consomment de la viande de bonne qualité. C'est pourquoi ils ont choisi pour l'édition 2024 le thème « Promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion dans la profession vétérinaire ». Cette année, nous avons un plan d'action très spécifique, orienté vers l'accompagnement de la chaîne de valeur viande. Et vous savez, depuis 2018, la NDVM a été à l'initiative d'un projet qui vise à accompagner le développement des chaînes de valeur viande en vue de l'exportation de la viande malienne. À noter que cette célébration conjointe de la Journée nationale, couplée à l'Assemblée générale des vétérinaires du Mali, a réuni des vétérinaires venus des quatre côtés du Mali. Ce 10 février, le gouvernorat a servi de cadre pour la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire de l'Union technique de la mutualité malienne UTM. Au menu des échanges, le processus de restructuration de la mutualité est un moyen pour assurer la réussite des activités entamées. En outre, il s'agit de renouveler le bureau pour un mandat de 5 ans. Hassan Boré est le nouveau président du bureau. Reportage à Stanso. Faciliter l'accessibilité de l'assurance maladie à tous, c'est le combat de longue haleine de l'UTM, l'Union technique de la mutualité malienne. Pour parvenir à cet idéal, une mutualisation des efforts semble indispensable. Cela afin de bannir les soins aléatoires, notamment l'automédication des populations, faute de moyens financiers. La politique au niveau de notre pays, c'est vraiment de rendre accessible la santé à tous les Maliens. Et la promotion des mutuelles et l'ensemble des autres dispositifs contributifs et non contributifs feront que vraiment tous les Maliens, où qu'ils soient, quel que soit leur revenu, puissent accéder à une santé de qualité. Au cours de cette Assemblée générale extraordinaire, le bureau sortant compte dresser une feuille de route afin de permettre à la nouvelle équipe de suivre la dynamique enclenchée et ainsi consolider les acquis avant de s'engager pleinement dans le processus de restructuration des mutuelles. Depuis 2010, l'État est engagé dans un processus de cofinancement de 50% de la cotisation pour les mutualistes. Donc déjà, il y a un effort que l'État est en train de faire. Mais cet effort reste encore limité quand on va passer à des gestions plus importantes en termes d'effectifs. Parce qu'aujourd'hui, si on prend la cotisation mutualiste, elle est de l'ordre de 8 700 francs par personne et par an.
pour une prise en charge au même taux que l'AMO. Donc vous comprenez aisément que les ressources à mobiliser sont importantes. Donc si on n'inscrit pas ça dans une vision plus stratégique, difficilement le développement de la mutualité tel que souhaité va rencontrer des difficultés. Même si le bureau politique là arrive à bien travailler, qu'il soit en accord avec les autorités, étant donné que le monde social, vous savez comment c'est, il y a d'autres qui payent ici, d'autres qui ne payent pas là-bas. Il suffit que même une ville entière arrive à payer ses cotisations normalement, nous sommes à l'abri. Avec un mandat de 5 ans, le nouveau bureau de l'UTM devra s'assurer de faire profiter à toutes les couches sociales une couverture sanitaire, qu'importe les revenus de celles-ci, mais aussi mettre en place des dispositifs pour assurer la collecte continue des cotisations. Et c'est parti pour la 9e édition du Festival Dibi qui se tiendra jusqu'au 18 février 2024 à la place du cinquantenaire de Bamako. Cet événement dont l'objectif est de magnifier la culture malienne à travers la gastronomie africaine permettra de réunir les éminents artisans de la boucherie venus partager leur savoir-faire en faisant découvrir des saveurs exceptionnelles. Reportage Aïssata Assila. Une myriade de stands colorés prêts à accueillir les amateurs de la viande grillée en offrant des saveurs exquises provenant des quatre coins du Mali. Ce festival du Dibi est le plus grand rendez-vous de tous les chefs cuisiniers, rôtisseurs, restaurateurs, mixeurs d'épices et de toutes les entreprises évoluant dans le domaine de la restauration. Je suis venu au festival pour vous montrer mon talent de restaurateur. J'ai comme menu du dromadaire, du mouton, du bœuf, de la chèvre et plein d'autres viandes. Je suis très satisfait car j'arrive à faire des bénéfices. Cela fait 7 ans que je participe au Festival Dibi car c'est une occasion pour nous de promouvoir nos produits et avoir plus de clientèle. J'invite tout le monde à venir participer au Festival Dibi car c'est une belle expérience en matière d'art culinaire. C'est une occasion pour les festivaliers de mettre en valeur les talents des jeunes entrepreneurs d'ici et d'ailleurs. Je suis un jeune diplômé. C'est une opportunité pour moi de me faire lancer sur la restauration et de me faire connaître par les gens aussi. Nous avons les cailles, nous avons les lapins, nous avons les poulets, nous avons aussi des jus naturels à exposer aux gens. Ce festival ne se limite pas seulement à la dégustation des délices culinaires. Des animations musicales ont été ajoutées au programme pour créer ainsi une atmosphère festive et conviviale. L'innovation de cette année, c'est le nombre de jours déjà et puis la durée. Parce qu'avant, on commençait le matin, on finissait le soir. Mais maintenant, on est parti sur H24, c'est-à-dire 24 heures sur 24. Quand vous venez, il y a à manger, il y a à boire, il y a de l'animation. Ça, c'est vraiment pour que les gens qui s'ennuient ou qui ne peuvent pas vraiment faire autre chose puissent venir sur le site de l'événement, découvrir les différentes facettes de grillade et tout, communier avec le peuple et vraiment tout ça dans la cohésion et dans l'entraide et dans la fraternité. Ce festival des grillades a su capturer l'esprit de la cuisine en plein air, mettant en lumière les techniques des grillades traditionnelles et les produits locaux. Le comité syndical de l'ERTM, fidèle à sa tradition, a organisé hier soir l'élection Miss Bamako édition 2024. Pour cette étape du concours, dont la finale aura lieu le 23 février 2024, c'est Mademoiselle Maïmouna Keïta, âgée de 27 ans, qui s'impose sur le podium avec 86 points, tenant ainsi le titre de Miss Bamako 2024. L'élection de Miss Bamako, fortement colorée par le passage des candidates dans différentes tenues, est placée sous le thème « Soutenons l'armée malienne pour la cohésion sociale et la stabilité intégrale du Mali. Nous retrouvons encore Mariam Sissoko. Miss Bamako 2024 s'appelle Maïmouna Keïta. Elle a 27 ans et elle est détentrice d'une maîtrise en gestion d'entreprise. Première dauphine Aminata Tera et la deuxième dauphine Halima Keïta. Maïmouna Keïta a été couronnée ce vendredi soir lors d'une grande cérémonie organisée par le comité syndical de l'ERTM. Elle représentera Bamako avec ses deux dauphines à la grande finale. J'ai un sentiment de fierté et de reconnaissance vis-à-vis d'un homme qui m'a toujours dit de poursuivre mes rêves avec courage et détermination. Aujourd'hui, il n'est plus, mais je suis là parce que ces mots me sont restés dans la tête. Reposons en paix, papa.
Oui, le choix était vraiment pour moi très pertinent. Elles n'ont vraiment pas démérité, quoi. Et même les autres aussi, ce sont de très belles femmes. Et ça a été vraiment une fierté. Tout le monde a été très bien représenté, seulement que quelques critères de taille et a joué en défaveur d'autres. Oui, la gagnante, elle était superbe. C'était bien. Je veux leur dire de ne pas se décourager. Elles étaient toutes belles. Celle qui était meilleure, elle a gagné. Elles étaient 16 candidates pour une couronne. Les membres du jury ont eu le temps de les départager à l'issue de 3 passages. Un premier passage en basin blanc avec les 3 couleurs du Mali. Ensuite, un défilé en tenue militaire pour soutenir nos forces de défense. Et le dernier passage en tenue de soirée suivi d'un discours avec comme thème « Soutenons l'armée malienne pour la cohésion sociale ». Cependant, tout cela ne peut se faire que dans un pays stable. C'est pourquoi je vous appelle à soutenir notre armée pour la paix, la cohésion sociale et l'intégrité de notre pays. J'ai fait 17 ans à Thessalite. J'ai vu l'armée affronter l'ennemi. Alors aujourd'hui, une armée forte qui fait honneur au peuple malien ne fait que nous honorer tous. C'est pour cela, avec l'ensemble des membres du comité syndical, nous avons jugé nécessaire, vu les épreuves que le Mali est en train de traverser, de soutenir cette vaillante armée qui fait aujourd'hui la fierté du Mali, la fierté de l'AIS, la fierté de l'Afrique tout court. La soirée a été exceptionnelle avec des miss qui ont vraiment élevé le niveau cette année. Et sincèrement, la thématique choisie par le comité syndical de l'ORTM, que je tiens à féliciter, est une thématique aujourd'hui qui rentre en droite ligne vraiment de la politique de nos hautes autorités. Aujourd'hui, c'est de magnifier nos forces de défense et de sécurité. Et ce soir, je crois que nos reines de beauté l'ont brillamment fait. Et vraiment, je tiens à les saluer, à les féliciter pour ça. Le rendez-vous est donc pris le 23 février pour la grande finale de Miss ORTM 2024. Et elle verra la participation des candidates du Canada, des États-Unis d'Amérique et des autres régions du Mali. Et en plateau avec moi pour le développement de l'actualité sportive fortement dominée par la CAN Côte d'Ivoire 2023, Abdoul Karim Kaba, bonsoir. Bonsoir Mathia Traoré, bonsoir à tout le monde. Alors, CAN Côte d'Ivoire 2023, la petite finale entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo est en cours. Et oui, bien, le match est en cours puisque on a les deux équipes sont sorties pour les entraînements. Le coup d'envoi proprement dit, ce sera à 20h. Donc, après la défaite de la RD Congo contre la Côte d'Ivoire en demi-finale de la CAN 0-1, les Léopards n'affichaient pas la mine des grands jours, mais plutôt beaucoup de déceptions, sûrement un peu de rage peut-être. Éliminés aux portes de la finale, l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo se retrouvent au stade Félix Joseph Boigny d'Abidjan pour disputer leur dernière rencontre de la CAN Côte d'Ivoire 2023, dont la G sera la troisième place donc sur le podium. En tout cas, cette rencontre sera déterminante entre les deux formations qui, de la RD Congo ou de l'Afrique du Sud, bien, sera troisième de cette CAN. Mais ainsi, puisque le match démarre tout à l'heure à partir de 20h. Et enfin, la finale de la 34e édition de la CAN se jouera demain entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire, pays hôte. Sous le coup de 20h, bien sûr, la Côte d'Ivoire venait d'être dominée par la Guinée équatoriale, 4-0 en match de poule. Une défaite vécue comme un drame national, un sélectionnaire démissionnant dans les heures qui suivent, des joueurs en pleurs dans les vestiaires. Oui, la Côte d'Ivoire demain, la 34e édition, bien sûr, de la Coupe d'Afrique des Nations demain à partir de 20h. On va donc souhaiter que le meilleur gagne pour cette finale. Tout à fait, que le meilleur gagne. Merci beaucoup Abdoul Karim Kaba. Merci bien Mancha Traoré. Ainsi prend fin cette édition. Merci de votre attention. Le journal en Bamanankan, c'est tout à l'heure avec Aïssa Taba. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Excellente soirée.